Salam alaikum, hello, hola, je te souhaite la bienvenue, marhaba big, dans cette nouvelle vidéo spéciale vocabulaire de la chaîne YouTube Maroc et moi. Au programme aujourd'hui, eh bien, on va étudier 10 noms de fruits en arabe marocain. Donc, ces mots-là, ce sont des mots qu'on a appris dans la Derija Story que je partage tous les jours du lundi au vendredi sur ma chaîne IGTV Instagram. Et donc, si tu me suis sur Instagram, ce sera pour toi une révision. Sinon, eh bien, ce sera pour toi l'occasion d'apprendre 10 nouveaux mots avec 10 petites phrases qui l'accompagnent. Donc je te souhaite une bonne écoute. Romaine. Roman, c'est-à-dire là, les grenades. Mais quand on veut dire une seule grenade, donc le fruit évidemment, on dit romana. Romana, romana, une grenade. Roman, roman, les grenades en général. Et la petite phrase qui va avec, c'est Aziz Alia Roman. Aziz Alia Roman, c'est-à-dire j'aime beaucoup les grenades. Toufah. Toufah. Toufah, c'est-à-dire les pommes en général. Toufaha, toufaha, c'est une seule pomme. Toufah, les pommes en général. Toufaha, une seule pomme. Et la petite phrase qui va avec, c'est kilo diel toufah. Kilo diel toufah, c'est-à-dire un kilo de pommes. Ok? L'anab. L'anab, l'anab, c'est-à-dire le raisin. L'aneb, le raisin, l'aneb, le raisin. Et la phrase qui va avec, c'est l'aneb bla l'adam. L'aneb bla l'adam. L'aneb bla l'adam. C'est-à-dire le raisin sans pépin. Oui, oui, ça existe. L'aneb bla l'adam. Ok? L'aneb, le raisin. Limoun. Limoun. Limoun, c'est-à-dire les oranges, limoun, les oranges. Mais dans le nord du Maroc, on dit les chines. Les chines, les chines, les oranges. Et la phrase, c'est asir diel limoun ou bien asir diel les chines, c'est-à-dire jus d'orange. Donc, asir diel limoun, ici à Rabat par exemple, asir diel les chines, plutôt dans le nord du Maroc. Jus d'orange, ok? Les hindiya. Les hindiya. L'hindiya, c'est-à-dire la figue de Barbarie. Certains disent aussi zaaboul. Zaaboul, zaaboul. La petite phrase qui l'accompagne, c'est l'hindiya fiha shok. L'hindiya fiha shok, c'est-à-dire la figue de Barbarie contient des épines, donc sous-entendu à l'extérieur. Shok, c'est les épines. L'hindiya zaaboul, la figue de Barbarie. Bououid. Bououid. Bououid, c'est-à-dire la poire. La poire, les poires en général. Bououid, les poires en général. Quand on veut dire une seule poire, on dit plutôt bououida. Bououida, c'est-à-dire une seule poire. Et donc la phrase qui va avec, c'est Atini bououida. Atini bououida. Atini bououida, c'est-à-dire donne-moi une poire. L'banane. L'banane, l'banane. Et donc, c'est là, ou bien les bananes en général. Si tu veux dire une seule banane, tu diras l'banana. L'banana, l'banana. Et donc, la phrase qui l'accompagne, c'est l'banane diel agadir. L'banane diel agadir, c'est-à-dire les bananes de la ville d'Agadir. L'chour. L'chour. L'chour, c'est-à-dire là, les pêches en général. Là, les pêches en général, l'chour. Si tu veux dire une seule pêche, tu dis l'choura. L'choura, c'est une seule pêche. Et la phrase qui va avec, c'est l'choura hloua. L'choura hloua. C'est-à-dire la pêche est sucrée. L'choura hloua. L'mèche-mèche. L'mèche-mèche. L'mèche-mèche, c'est-à-dire l'abricot. Le mesh-mesh, l'abricot, les abricots en général. Donc ça vaut autant pour le singulier que pour le pluriel. Et la petite phrase qui va avec, c'est le mesh-mesh roumi.
Le mèche-mèche, roumi, c'est-à-dire les abricots tels que tu les vois sur cette photo, puisque au Maroc, on distingue soit le mèche-mèche, le beldi, c'est-à-dire le type d'abricot du pays, donc typiquement marocain, et le mèche-mèche roumi, donc c'est plutôt un type d'abricot qu'on trouve hors du Maroc, donc par exemple en France et tout ça. Donc c'est ce qu'on appelle le mèche-mèche roumi, ok? Dellah, dellah, dellah. C'est-à-dire la pastèque, les pastèques en général, dellah, les pastèques. Et si tu veux dire une seule pastèque, tu diras dellaha, 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 d'accord? Et la petite phrase qui va avec aujourd'hui, c'est dellaha kibira, dellaha kibira, c'est-à-dire une grande pastèque, mais on sous-entend une grosse pastèque, évidemment. Donc une grande pastèque, dellaha kibira. Voilà, j'espère que ces 10 mots t'auront été utiles. Donc juste pour information, en Darija, on fait pas la différence pour les fruits et légumes entre le singulier et le pluriel. Donc quand tu veux spécifier qu'il y a un seul fruit, tu rajouteras un A. Donc comme je te l'ai dit, Tufaha, Dellaha, Meshmesha, Khoukha, ok? Donc voilà, écoute, je te laisse les répéter au maximum afin que tu puisses vraiment bien les retenir. Et puis, si tu as la moindre question, évidemment, tu me la poses en commentaire. Et je te remercie beaucoup pour ton attention. Je te dis à la prochaine. Slama! Bye bye.